70 000 manifestants à Bordeaux aujourd'hui. Nous voulons des négociations. On voit bien aujourd'hui quel est le jeu de dupes du gouvernement. Donner la façade de personnes qui sont prêtes à l'écoute, prêtes à entendre, prêtes à entendre des choses, sauf que dans le même moment où ils invitent à discuter, où ils invitent à se concerter, dans le même moment, ils envoient un projet de loi en Conseil d'État tout ficelé. Dans le même moment où ils nous expliquent qu'ils sont prêts à écouter et qu'ils sont prêts à négocier. Donc évidemment, nous ne sommes pas dupes de ce jeu qui n'est que celui du mépris des organisations syndicales et des représentants des salariés dans ce pays. Donc demain, 13h, devant la préfecture pour un rassemblement et déposer nos propositions. Et samedi également, samedi, appel à se mobiliser, à manifester partout dans le pays et notamment à Bordeaux. Rendez-vous 14h au miroir d'eau pour démontrer que partout, partout, qu'on soit dans le public, dans le privé, pour ceux qui peuvent, qui ne peuvent pas habituellement faire grève, c'est samedi où on sera en capacité de démontrer que partout, même là où il est compliqué de faire grève, de venir manifester pour demander le retrait de ce projet qui est une régression sociale sans précédent et demander des négociations pour améliorer les scènes actuelles. Rendez-vous demain 13h devant la préfecture, rendez-vous samedi 14h au miroir d'eau. Ça ne faiblit pas, on est encore là. Aujourd'hui, l'homme, la femme, excusez-moi, la femme, l'homme n'est plus placé au cœur du travail. Et c'est ça le problème, c'est ça aujourd'hui. On s'en fout de nous. C'est un gouvernement qui ne veut que de l'argent pour ceux qui sont les mieux placés. Nous devons combattre ce gouvernement, nous devons combattre cette politique. La fonction publique est en train de crever aujourd'hui parce qu'on ne peut plus travailler correctement. Les enseignants, ils en ont ras-le-bol. On est en train de faire des élèves, des petits moutons qui seront bons à aller travailler et à faire de la main-d'œuvre pas chère pour les entreprises. Nous ne voulons pas de ce système. Nous voulons un système solidaire. Nous voulons un système qui soit juste pour tout le monde et où tout le monde puisse retrouver sa chance. Il y a de l'argent partout. Si on veut, on peut refaire un système plus juste et plus solidaire. Donc demain, nous serons à la préfecture pour donner toutes nos propositions, effectivement, pour soutenir toute la fonction publique et pour soutenir tous les hommes et toutes les femmes qui sont dans des métiers qui sont absolument respectables et que doit respecter. Mes camarades, bonjour. Aujourd'hui, nous avons encore mobilisé énormément de monde et moi, j'en suis extrêmement fier. Notamment, nous, les lycéens, on était mobilisés. Voilà, aussi bien les terminales qui, malheureusement, vont avoir le bac bientôt à cause de la nouvelle réforme. Mais bon, malgré cela, on était mobilisés aux côtés de nos enseignants, aux côtés de toute la fonction publique et des salariés du privé. On vient une fois de plus démontrer à Macron et démontrer au système que nous, on ne veut pas de la régression sociale, que nous, on ne veut pas de l'extinction de masse. On ne veut pas de tous ces fléaux que ce système nous impose. Nous sommes pour un monde meilleur, pour une société plus juste, où la justice sociale, la paix, la démocratie, l'écologie régneront. C'est pourquoi moi j'appelle à gilet jauniser ce mouvement, à le radicaliser, car Le manque de radicalité va nous tuer. Aujourd'hui, on a face à nous à une répression inouïe. Il y a Cédric qui s'est fait tuer par la police, assassiné par la police à Paris, tout simplement parce qu'il a commis une effraction. Voilà aujourd'hui ce qui se passe dans le pays des droits de l'homme. Et c'est une honte. C'est pourquoi il faut de la radicalité pour faire face à ce système, le faire tomber et imposer une société plus juste pour que ma génération, pour que les futures générations puissent vivre dans de bonnes conditions. Donc on lâche rien, et tous ensemble, hasta la victoria, amigos.